de la Révolution française aux églises du Québec, l'importation clandestine d'œuvres d'art, cette semaine à porte ouverte au Musée de la civilisation. Je suis présentement dans l'exposition « L'œuvre du séminaire » présentée au Musée de la Mairie française qui relate plus de 350 ans d'histoire de cette vénérable institution. Et derrière moi, il y a un tableau qui est celui de Charles Huot, intitulé « La cour intérieure du séminaire ». Alors, ce tableau-là appartient à la grande collection de beaux-arts de la collection du séminaire de Québec. Et c'est justement le propos de notre émission aujourd'hui. Et en particulier, on va parler du fonds des jardins, ce fonds qui est la pierre angulaire, qui est le début de la grande collection de beaux-arts du séminaire de Québec. Et pour ce faire, on va rencontrer Sonia Mimo, qui est la conservatrice responsable du secteur beaux-arts dans la collection. On va rencontrer Laurier Lacroix, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal, mais surtout spécialiste du Fonds des jardins, et Michael O'Malley, restaurateur du Centre de conservation du Québec, qui a travaillé sur une des grandes toiles du Fonds des jardins et qui va nous présenter toute la démarche qui a suivi pour confirmer ou infirmer différentes hypothèses de recherche. Mais tout d'abord, on va aller rencontrer Sonia Mimo, qui va nous tracer le portrait général de la collection de beaux-arts du Séminaire de Québec. Alors, nous sommes au cœur de l'exposition « L'œuvre du séminaire ». Je suis avec Sonia. On sait que le séminaire s'est consacré à l'enseignement, mais ce qu'on connaît moins, c'est tout son parcours artistique. Et dès le début, je pense qu'on a commencé à accumuler des œuvres d'art. Dès la fondation, Christian, le séminaire de Québec, en fait, conservait tout, que ce soit des objets ou des archives, ils conservaient tout dans leur collection. Donc, c'est vraiment une tradition européenne. Et il faut expliquer qu'un objet, avant de devenir une pièce de collection, avait quand même une fonction première. Souvent, les acquisitions se faisaient dans un cadre de dévotion. On pense, entre autres, aux petites images gravées, oui, représentant la Sainte Famille, qui étaient distribuées dans la colonie. On pouvait utiliser aussi une œuvre pour des fins décoratives pour les chapelles du séminaire, pour décorer les appartements du séminaire de Québec. Ensuite, les pièces pouvaient servir à l'enseignement. C'est vraiment venu beaucoup plus tard que le séminaire avait une volonté de collectionner dans le but de constituer une collection Beaux-Arts. Alors, la collection de Beaux-Arts, ça consiste en quoi réellement? En fait, c'est plusieurs blocs de collection. On retrouve la collection de peintures européennes anciennes qui représente 545 œuvres, la collection de peintures canadiennes qui couvre 400 pièces, la collection d'œuvres sur papier, 25 000 pièces. On a à la fois les estampes qui sont les gravures, les dessins, les pastels, les croquis. Ensuite, on a la collection d'orfèvrerie qui est autour de 1000 pièces, orfèvrerie religieuse et domestique. Et bien entendu, une collection de sculptures, environ 200 pièces. Et tout ça, évidemment, se situe dans le 17e, 18e, 19e siècle, 20e siècle. On couvre véritablement les 340 ans d'histoire du séminaire, là, par le survol qu'on vient de faire là. Mais il y a un noyau dur. Oui, en fait, c'est l'arrivée du Fonds des jardins au début du 19e siècle. C'est sans doute la base qui a motivé le Séminaire de Québec à constituer vraiment une collection Beaux-Arts. Et pour bien comprendre l'arrivée de ce fonds-là, on va aller rencontrer Laurier Lacroix, qui est le grand spécialiste du Fonds des jardins, qui a consacré une partie de sa vie, et on va aller le rencontrer à la réserve muséale. Thank you.
Alors, nous venons de voir avec Sonia Mimo, à grands traits, évidemment, la collection Beaux-Arts dans l'exposition sur le séminaire, sur l'œuvre du séminaire. Maintenant, je suis en présence de Laurier Lacroix. Dans cette collection-là, les deux éléments, on dit qu'il y a deux événements historiques qui sont arrivés pratiquement dans la même période, qui ont été précurseurs, en fait, de l'acquisition de cette collection. Est-ce que c'est... C'est nous qui interprétons les faits que de cette façon-là, mais il est certain que la conquête, 1763, le fait que le clergé ne peut plus se recruter et qu'il y a certaines difficultés donc, pour la pratique de la foi, il y a une perte importante au plan d'artistes qui peuvent servir l'Église. Ça, c'est un événement qui arrive ici au Québec, au Bas-Canada. Absolument. Et en France, quelques années plus tard, la Révolution française, qui, elle, dans un autre moment, saisit les biens du clergé et force les catholiques à abjurer leur foi et à prêter serment à l'autorité. Donc, les deux prêtres responsables du fonds de tableau des Jardins, les abbés des Jardins, sont deux prêtres qui, eux, refusent de prêter serment et s'exilent en Angleterre. Alors, par la suite, Mgr Plessis, qui est en manque de prêtres, justement, réussit à convaincre le gouvernement britannique d'envoyer des prêtres qui sont en surplomb d'Angleterre, dans un pays anglican, de besoin de tous ces prêtres, et il accepte d'en faire venir quelques-uns pour aider le clergé ici au Bas-Canada. Nos deux prêtres des Jardins font partie de ce lot-là, une vingtaine de prêtres qui vont venir au Bas-Canada. Philippe Jean-Louis, l'aîné, lui, se plaît, passe une dizaine d'années ici, mais en 1802, il retourne en France. Et comme il connaît les besoins de l'Église pour les œuvres religieuses, qui lui-même un peu marchand sur les bords, il va acquérir des œuvres au fil des années pour les envoyer au Bas-Canada. Pour bien comprendre tout le contexte de l'époque, les motivations réelles de l'abbé Desjardins pour acquérir ces toiles-là, c'est quoi, utiliser l'expression, la toile de fond? En fait, Desjardins a plusieurs motivations. Quand il était au Bas-Canada, déjà, quand il était ici à Québec, il faisait venir des œuvres de France par ses amis qu'il revendait aux Sulpiciens et aux communautés. Donc, il connaît un peu le marché. Il sait qu'il y a des besoins. Et rendu en France en 1803, il voit cette disponibilité d'œuvres et il connaît les besoins qu'il y a ici dans les fabriques. Alors, il va faire l'un des deux. Je vais acheter des œuvres. Une motivation supplémentaire vient du fait que sa famille est en banqueroute. Son père, qui est un marchand viticulteur sur la Loire, les affaires vont très mal, c'est des années de très mauvaises récoltes en France. Okay. Et la famille est en banqueroute. Et donc, pour aider sa famille, il dit, je vais, moi, mettre la main à la roue, acheter ses œuvres et les revendre au Bas-Canada. Et il commence à acheter des tableaux tranquillement, pensant les envoyer au fur et à mesure. Et dans ses lettres, il est très prudent, quand il écrit à son frère qui est resté ici, Louis-Joseph, il est très prudent de ne pas lui dire où il prend les œuvres et combien il les paie. Il y avait si peu de lettres qui venaient que lorsqu'une lettre arrivait, il fallait la montrer aux autres. Et probablement que sachant que les prêtres du séminaire pourraient lire ça, peut-être, donc il est toujours très prudent. Sauf qu'au moment de l'envoi, il dresse un inventaire avec une évaluation et son frère lui répond en lui disant « j'ai vendu tel prix ». Donc on voit là qu'il y a un profit, ça n'a pas été à perdre, non, au contraire. Ni au plan financier, ni au plan artistique. Parce que ces œuvres-là, encore une fois, pour s'assurer qu'on comprend bien, c'est des œuvres qui ont été pillées pratiquement dans les églises françaises à la Révolution. Saisies, c'est la grande saisie des biens de l'Église. Mais le Louvre n'en veut pas parce que c'est des tableaux de second ordre. Bien, c'est-à-dire que le Louvre se sert d'abord, il choisit et reconstitue l'histoire de la peinture française, mais ce qui est en trop est remis sur le marché pour faire de l'argent pour l'État. Et donc, Philippe Desjardins en acquiert dans ces conditions-là. Parce que les œuvres sont pratiquement entrées clandestinement au pays. Il cherchait à éviter les taxes. Et donc, c'est par l'ambassadeur d'Angleterre aux États-Unis que le premier envoi de 120 tableaux va venir aux États-Unis. Les tableaux sont pliés, sont roulés, mis dans des boîtes. Et quelqu'un de Québec va aller les chercher en traîneau à New York pour les ramener et les vendre à Québec. Le deuxième lot, c'est Mgr Plessis, qui en voyage en Europe en 1820, les ramène dans sa valise, toujours en passant par les États-Unis. Donc, effectivement, on peut dire rentrer clandestinement. Le gouvernement britannique était au courant, mais a laissé faire les choses. Ouais. Alors, on peut véritablement s'imaginer, à l'époque, l'état des toiles, c'est enroulé, c'est dans des caisses de bois, dans la cale du bateau. Alors, tout ça, quand c'est arrivé ici, ça devait être dans un état absolument pitoyable. Les œuvres arrivent en assez mauvais état, effectivement, et ça a été formidable parce que ça a permis à toute une génération de jeunes artistes ou d'aspirants artistes d'avoir contact avec ces chefs-d'œuvre de l'art européen. Donc, Waouh-Oudy, Légaré, Plamondon,
amène un peu plus tard, vont travailler à restaurer les tableaux, les retendre sur châssis, mais aussi faire les retouches et donc avoir un contact direct avec cette peinture-là. Donc, on peut dire que ce fonds-là occupe une très grande place dans l'histoire de l'art au Canada. À plusieurs titres. D'une part, l'arrivée de 180 œuvres de grande qualité, d'une part. D'autre part, des artistes qui vont les voir et s'en inspirer pour faire des copies pour les paroisses qui ont manqué les originaux, mais qui voudraient avoir le même sujet. Donc, on demande à un artiste de le copier. Donc, nos jeunes artistes vont apprendre sur le tas en faisant des copies de ces œuvres-là. Et donc, ils vont s'imposer sur le marché. Donc, ils apprennent, en même temps, ils acquièrent un statut professionnel à travers ce mouvement de copie des tableaux des jardins. Alors ça, c'est véritablement la première vie de cette collection. Si on veut d'être arrivé ici, d'avoir servi comme modèle, mais par la suite, ça va devenir autre chose. Oui, effectivement, cette première vie qui les voit retrouver leur vie pré-révolutionnaire, oui, où ils reviennent dans les églises, dans les chapelles. Joseph Legaré va en acquérir 33, et c'est ce qui va servir justement à la collection du séminaire de Québec. Parce que le séminaire, à l'origine, en a acquis très peu, somme toute. Oui, bien, 13, c'est 13. Quand même pas mal. Oui, oui. Dans le contexte de l'époque. Oui, toute la chapelle, et ils se sont servis les premiers. Donc, ils ont choisi les plus beaux, et c'est ces plus beaux-là qui vont brûler en 1888. Et on va en sauver combien de ce feu? Deux. Deux. Oui. C'est-à-dire quoi? On les sauve malgré eux. Le tableau de Vignon, qui était jugé en mauvais état, avait été retiré de la chapelle quelques années avant et remplacé par une copie d'Antoine Plamondon. Donc, lui avait été sauvé. Et on peut penser que le petit tableau d'après Lebrun, Les Anges, lui, on a pu le retirer. Il était d'un format tel qu'on a pu le retirer de l'incendie. Du moins, c'est l'hypothèse, parce qu'il n'y a pas de trace de feu apparente. C'est ça. Il a sans doute été restauré aussi depuis oui, le temps. Oui, évidemment, comme la plupart de ces œuvres-là. Sur les 180 tableaux qui sont venus, il en subsiste moins de la moitié. Mais depuis une dizaine d'années, il y a eu des campagnes de restauration importantes. Plusieurs églises ont fait restaurer leurs tableaux. Et donc, on redécouvre, je dirais collectivement, ces œuvres-là dans leur état original du 17e ou 18e siècle, parce que c'était des tableaux français du 17e et 18e siècle, ces œuvres-là. Alors, Laurier Lacroix, de faire le parcours comme on l'a fait à l'intérieur du Fonds Desjardins, est-ce que c'est juste de dire qu'on est aux origines ou à tout le moins, oui, aux origines de notre histoire de l'art, ni plus ni moins quand même? La peinture au Québec au 19e siècle repose sur l'arrivée de ces tableaux-là. Hein, la carrière de Roy Houdy, de Légaré, de Plamondon, ce qui est quand même les piliers de la première moitié du 19e siècle, repose sur le fait qu'ils ont été en contact avec ces œuvres-là. Ils nous le disent eux-mêmes, ils le confirment. Et leurs premières œuvres en sont les témoins immédiats. De là l'importance de ce fonds. Alors, Laurier Lacroix, je vous remercie infiniment. Merci de votre accueil. Alors, comme on vient de le voir avec Laurier Lacroix, qui nous a parlé largement de l'influence du Fonds Desjardins sur les jeunes peintres qui sont en émergence ici au pays, on parle des Hamel, Plamondon et bien sûr Joseph Légaré, qui est pas le moindre, qui est très important. Peux-tu nous présenter ce peintre, Sonia? Oui, Joseph Légaré est un peintre québécois, né en 1795 à Québec et décédé à Québec en 1855. Contrairement à ses contemporains, il n'a pas fait d'études en Europe en beaux-arts. Donc, pour pallier à ses études, Joseph Légaré s'est constitué sa propre collection d'œuvres européennes, peintures et gravures. Et à partir de ses œuvres, bon, il a commencé à faire des reproductions de tableaux religieux pour se faire connaître. Il a repris beaucoup les sujets traités par les peintres topographes anglais, que ce soit les fleuves, les forêts, et aussi le traitement. Il a repris le traitement, la façon de travailler, les points de fuite qu'on retrouve dans ses œuvres, les vues d'architecture. Peu importe, en fait, les thématiques qu'il aborde, on sent toujours quand même qu'il est très influencé, que ce soit par les gravures ou par la collection, le Fonds Desjardins. Alors, c'est toujours très présent. C'est quelqu'un qui... s'en est inspiré énormément. C'est connu que les peintres québécois ont appris par la copie en partant des œuvres européennes, des grands maîtres. Mais Légaré, disons, le fait de façon abondante, oui. Il a fait du copier-coller, si on peut dire, mais il finissait toujours par faire quand même des compositions très intéressantes qui lui étaient propres, originales à lui. Oui.
Il y a même des œuvres qu'ils pouvaient prendre pour créer une même peinture, aller piger dans deux peintures et trois autres gravures pour arriver à faire sa propre composition. Là, évidemment, on a envie de regarder parce que derrière nous, il y a une œuvre monumentale. Ça, c'est majeur dans l'œuvre de Légaré, cette grande fresque. Effectivement, c'est deux peintures qu'il a créées qui sont en fait comme une vue panoramique. Un diptyque, exactement. L'incendie du faubourg Saint-Roch qui est arrivé le 28 mai 1845. L'incendie a commencé vers 11 heures le matin et jusqu'à 6 heures le soir, tout le faubourg Saint-Roch. Et là, c'est le peintre, c'est le journaliste, en fait. Il rapporte un grand événement historique, comme il a rapporté en 1832 le choléra à Québec. Les boulis du Cap au Diamant, toujours des grandes fresques, des événements tragiques comme ça. C'est particulier à Joseph Légaré, effectivement. Il représentait des scènes qui étaient des événements contemporains. Si cet artiste n'avait pas reproduit ces grands événements, peut-être qu'on aurait perdu une partie, du moins, de l'histoire. Les grandes toiles de Légaré, comme on vient de voir, c'est des œuvres achevées. Hein? Ça, c'est le Légaré en pleine possession de ses moyens. Mais ce qui nous intéresse, dans le cadre du Fonds Desjardins, c'est le copiste. Et il y a une toile qui est le Saint-Jean-Baptiste prêchant dans le désert, qui est une belle évocation. Oui, elle est inspirée d'une œuvre de Pierre Puget, peintre français. David contemplant la tête de Goliath. Joseph Légaré, à sa façon de faire, a vraiment pris le personnage de David pour faire son Saint-Jean-Baptiste. Il a recomposé, en fait, il avait cette capacité de recomposer une autre œuvre en allant chercher des éléments dans différents tableaux. On va aller voir, justement, ce David contemplant la tête de Goliath dans l'atelier de Michael O'Malley au Centre de conservation du Québec pour qu'il nous révèle les secrets de cette toile parce qu'il y avait des attributions. Il y a une énigme autour de cette toile-là et il va nous livrer le secret. Alors, nous voici en présence de la fameuse toile du David contemplant la tête de Goliath. Et je suis en présence du restaurateur Michael O'Malley, celui qui est intervenu sur cette œuvre-là. On vient de rencontrer Laurier Lacroix, qui est historien de l'art. Mais vous, qu'est-ce qui vous distingue justement de l'historien de l'art en termes de lecture de l'œuvre? Alors, les restaurateurs d'art s'occupent de la matière physique des œuvres d'art. Donc, les matériaux, sa stabilité. Les historiens d'art ont un bagage très important sur le contexte. Le contenu. Le contenu de l'œuvre, le travail de l'artiste, le travail de l'époque, etc. Donc, c'est un partenaire très important pour nous. Mais nous, on a un lien physique très intime avec organique. Les œuvres d'art. On est des manuels des restaurateurs d'œuvres d'art. Donc, on travaille carrément sur l'œuvre. On la manipule. On la nettoie, on la stabilise, on la refixe, on la retouche. Donc, c'est un travail très physique et très intime. Et en même temps complémentaire. Absolument. Alors, les principales étapes d'intervention? Donc, ça commence toujours un peu comme un patient à l'hôpital avec un examen approfondi pour connaître les matériaux, comment l'œuvre est construite, et puis d'identifier et de comprendre les altérations de l'œuvre. Et on propose un traitement, et ça commence un peu par la stabilisation. On veut stabiliser tout ce qui est instable. Donc, dans ce processus-là, à quelque part, vous devez quasi d'altérer l'œuvre, parce que vous voulez altérer, j'utilise entre guillemets, parce qu'il faut retrouver son état d'origine le plus possible. De trouver mettre à la lumière du jour tout ce qui subsiste de l'original. De l'original, exact. Oui. Donc, enlever les traces d'intervention qui se sont ajoutées avec le temps. Les traces qui ont mal vieilli et qui étaient... oui, c'est ça, tout à fait. Et quand on parle d'intervention sur le tableau, quand on regarde un pareil format avec la scène, est-ce qu'on peut localiser, évidemment, vous l'avez fait, mais les interventions se sont faites à quel niveau, par exemple, du personnage, du tableau, de la composition? Le long des deux coutures, qui sont horizontales, sur le pourtour du tableau,
sur la tête de David. Son œil est presque tout manquant. Et ça, c'est délicat parce que là, on touche à des éléments très définis. Absolument, absolument. Mais il reste assez de l'original pour reconstruire. Là, ah, OK. Quelque chose que vous devez le reconstruire. Oui, un petit peu. On reprend le doublage, on retire les couches superficielles, les couches non originales. Et là, c'est la partie restauration. Donc, on commence à combler les lacunes. On va appliquer des bouchages. Dans ce cas-ci, c'est des bouchages à base de cire résine qui sont texturés à l'aide d'un moulage pour imiter la texture, la trame de la toile. Bon. Parce que cette trame est très prononcée, très particulière. Donc, on veut donner la même allure à nos interventions. Et on utilise des couleurs de retouche. Ce sont des couleurs qu'on fabrique nous-mêmes. Des pigments naturels? Des pigments, toutes sortes de pigments, okay. Mais les pigments stables. Stables. Dans des résines synthétiques qui sont facilement réversibles. Ça, c'est un principe en restauration, la réversibilité de l'intervention. La stabilité de nos produits et la réversibilité des interventions. Vous avez mentionné un aspect que je trouve fort intéressant, c'est-à-dire vous avez analysé un pigment, c'est-à-dire un fragment, un minime fragment de la toile. Ça, c'est des résultats qui nous permettent de voir si c'est une couche picturale très ancienne. Tout à fait. On profite systématiquement des œuvres anciennes qui passent dans l'atelier quand on a des questionnements. On profite pour prendre des micro-prélèvements, des petites poussières en stratigraphie pour déterminer la nature de la préparation, les couches préparatoires en dessous de la peinture. Et ces couches-là nous donnent de l'information, parfois quand on est chanceux, sur l'époque de l'œuvre, ainsi que les pigments utilisés pour les couleurs. Donc, il y a certains pigments qui sont plus communs à certaines époques, disons. Donc, quand on est chanceux, on trouve des éléments qui nous aident à situer dans le temps l'œuvre. Et dans ce cas-ci, est-ce qu'on a été chanceux? Tout à fait. C'est une œuvre à cause de sa préparation rouge et double, une œuvre du 17e siècle. Et il y a des pigments comme le jaune de Naples qui sont reliés à cette époque. Et là, c'est intéressant parce que, d'abord, il y avait l'idée de consolider cette œuvre-là, mais l'idée aussi de voir est-ce que c'était une œuvre d'époque, un véritable Pierre Puget. Et là, je sens qu'on chemine vers ce questionnement-là, parce que vous avez travaillé au niveau de la signature aussi de l'œuvre. Oui. Pour la question de est-ce que c'est vraiment un Pierre Puget, ça, c'est une question pour les historiens d'art à débattre. Mais nous, ce qu'on a vu sur cette œuvre, c'est que la signature et la date qu'on retrouvait sur la base de la colonne n'étaient pas originales, malheureusement. Ça arrive parfois qu'il y a des mauvaises surprises comme ça lors des restaurations. Et il s'avérait que la signature était soluble dans le même solvant qui retirait le vernis jauni. Donc, c'est un solvant doux qui va agir sur les vernis, les résines, et la signature partait aussi facilement que le vernis. Or, les autres couleurs ne partaient pas. Les autres couleurs ont 300 anciennes. Ans. Exact. Les couleurs anciennes sont stables et ils ne sont pas sensibles au solvant. Donc, après discussion, ce n'est pas une décision qu'on prend légèrement et ce n'est pas une décision qu'on décide nous-mêmes. On improvise. Oui, exact. Tout à fait. Avec beaucoup de consultations auprès des historiens d'art à Montréal et à Québec et aussi avec les propriétaires de l'œuvre, qui sont le Grand Séminaire, on a décidé de retirer la signature pour ne pas fausser et tromper. Okay. En sachant très bien que ce n'est pas l'original. Alors, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un Pierre Puget. Non, on sait que c'est un tableau du 17e siècle. Voilà. Alors, c'est évidemment le travail que vous avez fait ici sur cette œuvre-là est essentiel pour la connaissance des tableaux du fonds Desjardins. On dit que c'est un des fonds qui a marqué l'histoire de l'art au Canada. Alors, c'est certain que cette contribution dans la restauration, dans l'avancement des connaissances, va permettre d'en savoir davantage. Michael O'Malley, merci infiniment pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Alors, au terme de cette émission, en présence de nos trois invités,
Sonia Mimo, Laurier Lacroix et Michael O'Malley. J'espère que leurs propos vous auront permis de mieux comprendre l'importance du Fonds Desjardins dans l'histoire de l'art au Canada. Alors, j'espère que cette émission vous a plu et que vous serez des nôtres pour une prochaine émission.